À l'église Le Portail, en ligne, mon nom est Denis. Je suis le pasteur de notre site à Saint-Eustache. En mon nom personnel ainsi que celui de l'équipe pastorale, je vous souhaite un joyeux Noël. Ce matin, nous célébrons la naissance de Jésus, une naissance qui a changé notre histoire il y a plus de 2000 ans et qui continue encore d'intervenir dans nos vies aujourd'hui. Le prophète Isaïe a écrit ceci à propos du Messie à venir. Je vous lis dans Isaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a la souveraineté sur son épaule. On l'appelle du nom de conseiller étonnant, Dieu héros, Père éternel, Prince de paix. Cet enfant, c'est Jésus. Il est né pour mourir sur la croix et ressusciter afin que nous ayons la vie en son nom. Alors, sans plus tarder, écoutons le message de la Bonne Nouvelle de Jésus ce matin. Joyeux Noël, joyeux Noël, que vous soyez du Québec, notamment de l'Abitibi, que vous soyez en France, en Europe. Joyeux Noël. Noël veut dire nativité. La nativité veut dire la naissance de Jésus. Et c'est une joie pour moi de prêcher en ce jour de Noël. Donc, sans plus tarder, tourne avec moi dans l'Évangile de Luc, deuxième chapitre, versets 1 à 7, Évangile de Luc, deuxième chapitre, le verset 1 à 7. Je ne serai pas très long, mais j'ai vraiment une bonne nouvelle pour toi, comme c'est notre habitude au portail. Donc, sans plus tarder, voici ce beau récit de la Nativité, du moins une partie. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la Terre. À l'époque, on faisait des recensements pour avoir des listes de noms, pour savoir qui devait payer des taxes. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Euh, Israël était rattaché à la province de Syrie, donc c'est pourquoi on le mentionne. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. J'arrête ici un instant. Pourquoi Luc nous mentionne ces détails? Pourquoi ces détails qui semblent un peu sporifiques C'est pas inspirant. Pour nous démontrer que la naissance de Jésus n'est pas une parabole, n'est pas une mythe, n'est pas un mythe, n'est pas une légende. La naissance de Jésus est un fait historique. C'est campé dans l'histoire. Verset 4. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem. Parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Donc c'est un travail, c'est un voyage d'environ 150 kilomètres du nord de Nazareth au sud. C'est l'équivalent, si vous êtes dans la région de Montréal, pour les Québécois, euh, c'est comme si on se rend de Montréal à Trois-Rivières euh, à pied, évidemment. Si vous êtes en Europe, c'est euh, vous êtes de Paris, vous allez vers le nord, hein, vers le nord, vers l'Ichti, donc jusqu'à Amiens. C'est à peu près la distance entre Nazareth et Bethléem. Et, et, et on retourne dans notre ville d'origine, donc auquel est attaché notre famille. Et tu te demandes pourquoi la famille de David, euh, la famille de David avait une connotation. Si je te dis à quoi tu penses, si je te parle de la famille Jackson, musique, si je te dis la famille Saputo, au Québec tu dis fromage, la famille Molson, le bière, si je te dis la famille Kardashian, à quoi tu penses? Rien. La famille de David, c'est la famille royale. Donc, le Messie devait naître. Donc, il devait être un descendant de David et le siège social de la famille. David dit que c'était à Bethléem. Donc, Joseph s'en va avec son épouse, euh, Marie, encore fiancée, euh, il s'en va à, dans la ville de Bethléem, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui est enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, et la coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Ici, on a, on a la description du plus grand événement de l'histoire, la naissance du Sauveur. Dieu fait chair. Et regarde comment la description biblique est sobre. Moi, je me serais attendu à plus. Aujourd'hui, si euh, on voulait présenter la naissance, cet événement le plus important de l'histoire de l'humanité, euh, il, il y aurait du drame. Ah, il y aurait du pathos. Marie arrive, et là, il y a des anges qui la supportent. Et là, à un moment donné, des complications. Et on doit l'opérer, on fait de césarienne. L'ange ouvre son ventre. Bébé Jésus sort, la gloire resplendit. Guérit sa mère, fait un miracle. Wow! Et là, pendant ce temps-là, Joseph est en train de filmer pour mettre ça sur YouTube. Prend des photos Instagram. Maintenant, la réalité ici, la Bible est très, très sobre. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Le verset 7. La Bible dit simplement... Marie enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et la le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et j'aimerais prêcher aujourd'hui sur cinq grandes vérités sur le petit Jésus. Alors, au Québec, du moins les gens de ma génération ont grandi, lorsqu'on nous parlait de Jésus à Noël, dans la culture, on parle du petit Jésus. Maintenant, on a ici le petit Jésus, mais j'aimerais t'enseigner cinq grandes vérités bibliques qui peuvent changer ta vie, qui peuvent révolutionner ta vie sur le petit Jésus. Et la première chose qu'on voit, c'est la singularité de Jésus. C'est-à-dire, on voit comment la naissance de Jésus est exceptionnelle. Non à cause de la naissance, mais à cause de Jésus. La Bible nous dit, Marie, elle enfanta. Ça semble banal. Mais on assiste ici à ce qu'on appelle la naissance virginale de Jésus. Euh, pour être plus précis, on devrait parler de la conception virginale de Jésus. Alors que Marie accouche, ce n'est pas une, un accouchement ordinaire parce que ce n'est pas une conception ordinaire. L'enfant dans le ventre de Marie, Jésus, a été conçu par la puissance du Saint-Esprit sans l'intervention d'un homme. Et c'est ce qu'on appelle la conception virginale. Maintenant, il y a des gens, peut-être que tu écoutes cette prédication, et tu dis, ok, de croire qu'une vierge tombe enceinte et enfante un fils qui est le Seigneur, que c'est naïf. Les chrétiens, vous êtes naïfs. Je vais te poser une question à toi qui est qui, qui dans ton grand savoir, qui pense que le christianisme est naïf. Est-ce que tu crois qu'il y a un univers Évidemment. Comment l'univers a commencé tu vas dire, par le Big Bang. Il y avait quoi vers le Big Bang? Dis, bien, il n'y avait rien, c'est le Big Bang. Donc, tu crois à la conception virginale de l'univers. Euh, selon moi, de croire à la conception virginale d'un homme est un moins grand miracle, je vais le dire comme ça, que la, de croire à la conception virginale de l'univers. Donc, probablement, mon ami athée scientifique, tu as plus de foi que moi. Donc, ce que je veux démontrer, c'est que ce qu'on assiste ici, c'est pas totalement absurde. Ce n'est pas naïf. La, la majorité des gens sur la Terre croient un miracle encore plus grand que ça. Donc, nous assistons ici à la naissance virginale de Jésus. Pourquoi c'est important que Jésus naisse d'une vierge? Pour trois raisons. Premièrement, pour démontrer que notre salut est l'initiative de Dieu. Notre salut n'est pas créé par nos efforts. Notre salut est dû à l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui fait le premier pas. Cet été, comme vous le savez, mon épouse et moi, on était en Grèce et on, on était dans, île, dans une île qui est considérée comme une île, ou du moins l'île, peut-être la plus sacrée, mais je, je, bon, on va dire une des îles les plus sacrées de l'Antiquité, l'île de Delos. Pourquoi Parce que, nous, à l'époque, on croyait que le dieu Apollon était né. Sur cette montagne, sur cette île. En fait, c'est une île complètement. Elle est inaccessible, tu dois louer un bateau. Lorsque tu arrives là-bas, il n'y a rien, seulement des ruines. Et en plein centre de l'île, tu as une montagne. Et en haut de la montagne, tu as le temple. Et à l'époque, pour aller adorer, pour rencontrer le Dieu, tu devais te rendre, donc ça coûtait de l'argent, il y a beaucoup d'efforts. Tu arrives là, il fait chaud, tu dois monter. Jusqu'en haut. Et mon épouse et moi, on a monté les escaliers. Il euh, y a des centaines d'escaliers. C'est épuisant, c'est éreintant. D'ailleurs, même la majorité des gens ne vont même pas le faire parce que c'est trop de boulot. Mon épouse et moi, on a monté, on a monté, monté. Et là, tu arrives en haut. Tu es en plein centre de l'île de Delos. Et autour, c'est les Cyclades. Hein? Les Cyclades tirent leur nom justement du fait qu'elles sont autour de l'île de Delos, les Mykonos, Santorin, etc. Et tu vois la Méditerranée, c'est merveilleux. Et là, il y a un temple. Et là, tu t'imagines. Les religieux de l'époque qui, qui, pour rencontrer leur Dieu, devaient monter jusqu'à Dieu. La religion t'enseigne à monter jusqu'à Dieu. Le christianisme t'enseigne que Dieu est descendu jusqu'à toi. Ce qu'on voit ici, c'est que Jésus a descendu la montagne. Notre salut et l'initiative de Dieu n'est pas due à nos efforts. Et la deuxième raison pourquoi Jésus devait naître d'une vierge, c'est parce que Jésus ne commence pas son existence dans ce verset-là. Jésus, la Bible nous dit qu'il est Dieu, donc il n'a ni commencement ni fin. C'est ce qu'on appelle la préexistence de Jésus. La Bible dit dans Colossiens que tout a été créé par lui et pour lui il est avant toute chose et il soutient toute chose. Pour t'aider à comprendre la préexistence, vous savez, dans ce jour de Noël, dans le temps des fêtes, quelquefois il y a des gens, je sais que toi tu ne fais pas ça. Mais il y a des gens qui, comme on dit au Québec, qui repassent un cadeau qu'ils ont reçu. Hein? Quelquefois, tu reçois un cadeau, puis tu as l'impression que le cadeau a de l'histoire. Tu as l'impression que le cadeau, tu n'es pas le premier à le recevoir. Mais la personne te le donne comme si la première fois, comme si ça commence, comme si elle a été la veille au centre commercial et elle a prié, jeûné pour choisir le bon cadeau pour toi. Et elle s'est sacrifiée, elle te le donne. En fait, la personne a trouvé quelque chose dans le fond de son placard et elle te le repasse. T'es heureux, merci. Hein, on est toujours heureux d'un cadeau. Mais la réalité, c'est que le cadeau est préexistant. Mais est-ce qu'on voit ici le don de Dieu, le Fils de Dieu qui est donné et préexistant Ça ne commence pas dans ce verset-là. Lorsque tu arrives dans Genèse 1, 1, Jésus est là. Et des millions d'années avant Genèse 1, Jésus est encore là. Donc, on voit la singularité de Jésus. Lorsque la Bible dit que Marie accoucha, Jésus devait naître d'une vierge pour démontrer que notre salut est l'initiative de Dieu. Deuxièmement, pour démontrer la préexistence de Dieu, mais également pour garantir la pureté de Jésus. Pourquoi? Dieu a fait une promesse après la chute que de la descendance humaine viendra un Sauveur. Et que ce Sauveur était pour nous libérer de nos péchés. Le problème, c'est que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. 100 des êtres humains qui naissent sont pécheurs. Donc, Dieu devait faire un miracle au-delà des droits de la, des lois de la nature pour justement garantir la pureté de Jésus. Lorsqu'on parle de la naissance virginale de Jésus, la préoccupation de Dieu n'est pas la sexualité de Marie. Hein, il n'y a pas de vertu là-dedans. Hein, la Bible parle beaucoup de sexualité. Ce n'est pas, pas là qu'est l'enjeu. La, la naissance virginale de Jésus est nécessaire. Pourquoi Pour garantir la pureté de Jésus. C'est pourquoi l'ange dit à Marie, lorsque le Saint-Esprit va concevoir un enfant dans ton ventre, cet enfant sera appelé Saint. Pourquoi? Parce que notre Sauveur devait être humain, mais il devait être sans péché pour être capable de régler le problème de notre péché. L'exemple que la Bible donne, c'est-à-dire qu'on a un représentant, on le vit régulièrement. Par exemple, au Québec, les parties de hockey, après trois périodes, lorsqu'il y a égalité, on va en prolongation et après cinq minutes de prolongation, s'il n'y a pas de, victoire, de, de, de gagnant, on va au tir de barrage et là on doit choisir un marqueur, un joueur qui c'est capable de faire un but, donne la victoire à toute l'équipe. Donc c'est le hockey, c'est un jeu d'équipe. On voit la même chose au football. C'était en Europe, soccer, Coupe du Monde qui vient de se terminer. Lorsqu'on va, et on a vu avec la finale, lorsqu'on arrive en finale et je sais que des Français m'écoutent et pleurent maintenant que Dieu t'amène la consolation du Saint Esprit. Euh, la réalité, c'est que lorsque tu regardes, on envoie quelqu'un pour le penalty pour le, 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 le tir au but, général, généralement, tu n'envoies pas ton pire joueur. Tu envoies ton joueur d'exception. Tu le meilleur joueur. Pourquoi? Parce que tu sais que la victoire de tous dépend de cette personne. Maintenant, nous avions besoin de ce joueur qui nous donne la victoire alors que nous étions dans la défaite. Ni toi ni moi nous sommes capables de donner la victoire à l'humanité. Ça prenait quelqu'un qui est sans péché, et c'est pourquoi la naissance virginale de Jésus est importante. Jésus, notre représentant, quelqu'un devrait dire amen en ce jour de Noël. Donc, la naissance virginale garantit l'incorruptibilité de Jésus. Mais regarde, notre verset très simple dit elle enfanta son fils. Tout juste avant, l'ange va dire à Marie, tu vas enfanter un fils et il sera fils de Dieu. On voit ici la divinité de Jésus. Ok, reste avec moi quelques instants. Tu as besoin de comprendre le miracle de Noël, l'incarnation. Vous savez, Dieu, il y a un seul Dieu existant éternellement en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les trois sont égales en dignité. Les trois sont totalement Dieu. Ils sont dans une parfaite unité relationnelle. C'est pourquoi les chrétiens n'adorent pas trois dieux, on adore un seul Dieu. Maintenant, la deuxième personne de la Trinité, le Fils a été fait chair. Donc c'est pas c'est a été fait chair sans modifier Dieu, sans transformer le Dieu trinitaire éternel. C'est la deuxième personne et c'est ça l'incarnation. Puis pour comprendre l'incarnation, tu dois comprendre la Trinité. Et ce Jésus est venu, et ce Jésus qui a marché sur la terre, c'est Dieu fait homme. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas sauver à distance. De la même manière, tu ne peux pas influencer à distance, tu dois être près des gens pour les influencer. Le leadership, tu dois être près des gens. À la plus forte raison, le sauveur doit être proche de notre humanité pour nous sauver. Il y a une centaine d'années, on emmenait des Chinois dans les des mines en Afrique du Sud. Et on les amenait comme esclaves. Et euh, l'histoire raconte qu'un homme était, une histoire vraie, un homme très riche, un homme qui, qui avait quand même une prééminence. Un, et, et lui avait vraiment un cœur pour ces esclaves-là et, et voulait les toucher, voulait les, leur apporter l'espoir, voulait leur, leur témoigner de Jésus. Et la seule manière, tu ne peux pas envoyer des lettres, tu ne peux pas. La seule manière, le, le seul moyen qu'il avait pour toucher ces gens, puis il le fait. C'est de se vendre lui-même comme esclave dans ses mines afin de pouvoir rejoindre d'autres esclaves. La seule manière d'impacter l'humanité pour Jésus était de revêtir notre humanité. Et lorsqu'on voit qu'elle enfanta son fils, c'est merveilleux parce que ce n'est pas un fils ordinaire, c'est le fils de Dieu. La parole a été faite chère et elle a habité pleine de, parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Le verset continue, elle enfanta son fils quoi? Premier-né. Encore une fois, un petit mot. Un verset qui semble banal, mais qui contient des grandes vérités. Puis la troisième grande vérité sur le petit Jésus, c'est la primauté de Jésus, la supériorité de Jésus, la souveraineté de Jésus. Pourquoi? Où on voit la primauté là-dedans? Quand la Bible dit qu'elle enfanta son fils premier-né, le mot en grec pour premier-né, ce n'est pas le mot ordinaire pour parler du premier de la lignée, hein, le plus grand, le l'aîné de la famille. C'est le mot qu'on emploie, le premier-né, c'est le mot qu'on emploie pour parler de celui qui a la, la, la prédominance, celui qui a la primauté. C'est le mot qu'on emploie pour parler de celui qui est le numéro un dans la famille. C'est le mot qu'on emploie pour parler du, du premier, celui qui a la première position dans la famille. C'est pourquoi, parenthèse, c'est le même mot que la Bible emploie pour dire que Jésus est le premier-né de la création. Ça ne veut pas dire que Jésus est né parce que Jésus n'est pas une créature, il est créateur. c'est est créateur, il peut pas naître. Peut... Donc, quand on parle que Jésus est le premier-né de la création, c'est ce mot-là qu'on emploie, pas pour parler, encore une fois, qui qu est l'aîné, c'est pour parler qu'il a, qu qu a la primauté dans la création. C'est le même mot qu'Apocalypse emploie en disant que Jésus est le premier-né d'entre les morts. Dans tous les ressuscités, le plus grand, c'est Jésus. Alors que nous avons l'espérance de la résurrection, le plus grand, celui qui a la primauté, c'est Jésus. Euh, Romains 8 nous dit que Jésus est le premier-né d'un grand nombre de frères et de sœurs. Donc, l'Église, alors que nous sommes enfants de Dieu, le numéro un, c'est toujours Jésus. C'est quoi l'application de ce simple mot qui dit que Jésus est le premier-né? Voilà. Si Jésus est le premier, Noël te rappelle que Jésus est le premier, puis quand je dis si tu comprends, ce n'est pas une condition, figure de style. Le fait que Jésus soit le premier en toutes choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu n'es pas le premier. Ça veut dire, mon ami, peu importe qui tu es qui m'écoute, quand tu es face à Jésus, tu es toujours le deuxième. Et je sais que ce message est contre-culturel. Parce qu'on dit, tu ne peux pas dire ça. Tu devrais prêcher pour rehausser l'estime des gens. Je ne suis pas là pour rehausser ton estime. Je suis là pour que tu entendes la bonne nouvelle et que tu sois sauvé. Et que par le Saint-Esprit, Dieu te sanctifie, Dieu te transforme. Donc, dans notre culture, les gens se disent « Non, mais moi, je suis une princesse. Moi, je suis un roi. Mais » non, Mais non, mais non, mais non, non, non. Tu n'es pas un roi. Tu n'es pas une princesse. Tu es un pécheur ordinaire. Tu as de la valeur parce que Jésus est mort pour toi. Je ne suis pas en train de te dévaloriser. Je suis en train de te mettre à ta place. Puis ta place, ce n'est pas la première place. Parce que la première place appartient à Jésus. Celui qui est sur le trône, c'est Jésus. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas être chrétien. Et c'est le message de Noël. Jésus, le premier-né. Et ensuite, on voit la quatrième grande vérité, on voit son humanité. La Bible dit, elle l'emmaillota. Wow. Ce passage, les récits de la nativité enseignent de grands paradoxes. Écoute, reste bien. Écoute bien, reste avec moi. On voit ici que Jésus est un petit bébé. Même, en même temps, la Bible enseigne qu'il est le Dieu d'éternité. On voit qu'il est enveloppé d'un linge, mais en même temps, la Bible déclare qu'il est enveloppé de gloire. On voit qu'on euh, le contient dans une crèche alors qu'il est celui qui contient l'univers. Il semble dépendant, il est dépendant dans son humanité, mais n'oublie pas qu'il demeure toujours le Tout-Puissant. Il est insouciant, c'est un enfant, mais en même temps, il est omniscient. Alors que son origine est Israël, alors qu'il semble, il ne semble, pardonnez-moi, mais il naît. Il naît à Bethléem. N'oublie jamais que son origine est aussi du ciel. Alors qu'on soutient sa tête, il est celui qui soutient le monde. Alors qu'il demeure dans une étable, il demeure aussi dans les étoiles. Alors qu'il est entouré peut-être d'un âne, il est surtout entouré d'anges. Alors qu'il naît dans les ténèbres, il est la lumière du monde. Alors qu'il change de minute en minute, alors que ses parents le regardent, puis on le voit changer. Hein, les, les bébés changent, on dirait, de, de minute en minute, tellement ça va vite. N'oublie pas qu'il est quand même le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors qu'il a faim, il est le pain de vie. D'ailleurs, Bethléem, en hébreu, veut dire le, la maison du pain. Il est celui qui vient rassasier tous nos besoins. Alors qu'il bébé Jésus est fatigué. Il est celui qui a dit Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors qu'il ne parle pas, il est la parole de Dieu. Alors qu'on doit changer sa couche, il est celui qui va changer le monde. Et peut-être, tu te poses la question mais comment ce Jésus peut être pleinement Dieu et pleinement homme Comment est-ce qu'il peut être si vulnérable et être un Dieu si formidable Pour comprendre, la Bible emploie une expression elle dit que et c'était ça dans Philippiens 2, que Jésus s'est dépouillé. Et des gens ont cru à tort, et reste avec moi, tu vas voir, c'est très pratique. Des gens ont cru à tort que Jésus s'est dépouillé de la divinité. Pas une seconde, Jésus n'a cessé d'être pleinement Dieu. Dans ce verset 7, il est totalement Dieu. Alors qu'on décrit sa naissance, qu'on décrit ses premières minutes, jamais il n'a cessé d'être Dieu. Et la Bible parle d'un dépouillement. Et Jésus s'est dépouillé, non pas par soustraction de la divinité, mais par addition de notre humanité. J'espère que tu as pris ton café avec un petit peu de lait de poule. En fait, de quoi Jésus s'est dépouillé? Il s'est dépouillé de sa gloire. Alors qu'on le regarde, on ne voit pas la gloire de Dieu. Mais il n'a jamais cessé d'être Dieu. La Bible dit, lui qui était riche s'est rendu pauvre. Pour comprendre, pendant quelques années, j'ai travaillé avec des itinérants. Et je me souviens, il y a un cas, entre autres, un itinérant qui était l'itinérant le, le, des itinérants. C'était un homme qui faisait des années, qui était dans la rue. C'était un homme qui refusait tous les services. C'était un homme qui n'avait probablement pas pris de douche depuis des années. Puis je me souviens, euh, bon, on offrait des lits. Puis euh, un matin, je devais le réveiller. Je ne me pas, peut-être un rendez-vous médical, je ne me rappelle pas. Puis il était à peu près 5h30 du matin, je vais le réveiller. Puis, puis je me souviens, là, je, je, seulement de le toucher, j'avais des hauts le cœur. Son odeur... Okay. Il y avait une odeur nauséabonde. Les itinéraires devaient prendre une douche. Puis lui, il trouvait toujours la manière de contourner le système. Ça sent, il sentait mauvais. Puis je me souviens, je vais le réveiller, puis j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui bougent. Là. Et il y a un manteau. Puis il me demande, est-ce que tu peux tenir mon manteau? Parce qu'il voulait aller passer au petit coin. Mais son manteau... Ah! Le manteau bougeait. Le manteau sointait. Et seulement de mettre ma main pur sur ce manteau. Encore aujourd'hui, je me retiens. Il y avait une odeur. Avait, avait... Et simplement de m'imaginer revêtir ce manteau, ah! j'aurais l'impression d'être contaminé. Maintenant, imagine Jésus, Dieu pur et saint, qui revêt notre humanité. Imagine le sacrifice de Jésus. C'est ça le dépouillement de Jésus. Ce n'est pas qu'il s'est enlevé la divinité, c'est qu'il a revêtu notre humanité. Et peut-être tu te poses la question, mais, mais comment est-ce qu'il peut être en même temps, Pasteur Guitar, comment est-ce qu'il peut soutenir le monde, puis tu parles qu'on va soutenir sa tête? Comment est-ce possible? Vous savez, j'ai vu un film dernièrement où l'auteur s'est écrit un rôle dans son film. Donc l'auteur... C'est écrit un rôle et devenu acteur. Maintenant, en tant qu'acteur dans son film, il peut mourir, il peut y arriver plein de choses. Ça n'influence pas le fait qu'il est l'auteur. Donc, si son personnage va sur la lune et sa fusée explose, ça change rien au fait que lui est dans son chalet en train d'écrire des histoires. Pourquoi? Parce que l'auteur et acteur, c'est deux niveaux différents. Jésus est l'auteur de notre salut. Il est devenu acteur pour notre salut. Et peu importe, alors qu'il meurt à la croix, alors qu'il y a plein de choses, il n'a jamais cessé d'être auteur. Et ce qu'il fait dans son humanité sur la terre n'influence pas sa divinité. C'est la bonne nouvelle. Et certains vont dire, mais Pasteur Guétan, il y a un verset où Jésus a perdu des attributs de la divinité parce qu'on lui pose une question sur la fin des temps, puis il va dire, Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Les anges ne le savent pas, le Fils ne sait pas seulement le Père qui est dans les cieux. Qui va dire, ha ha. Tu vois que Jésus n'est pas pleinement Dieu. Mais non, mais non, mais non. Est-ce que tu savais que je peux répondre à n'importe quelle question que tu me poses? Tu pourrais me poser n'importe quelle question et je te garantis que j'ai la réponse parce que j'ai un super pouvoir. Ce super pouvoir s'appelle Google. Maintenant, pour avoir accès à Google, j'ai accès, je pourrais, mon technicien pourrait me poser une question. Puis je pourrais googler la réponse, puis j'ai accès à l'information. Maintenant, ce que Jésus est en train de dire, ce n'est pas qu'il a, qu a cessé d'être Dieu, c'est qu'il a choisi de ne pas utiliser les attributs de la divinité de manière indépendante à son Père. Il a choisi en s'incarnant de se soumettre totalement au Père. Oh! Mais tu dis, mais pourquoi tu nous dis tout ça? Pourquoi tu nous prêches la théologie à Noël? Parce que ça change ta vie. Comment? Tu as besoin de comprendre qui est Jésus. Parce que quand tu comprends que Jésus est pleinement homme, tu réalises que tu as un sauveur qui est capable de te comprendre. Mon ami qui m'écoute, il y a des gens autour de toi, tu vis une épreuve, il y a des gens qui te comprennent, mais qui sont incapables de faire quoi que ce soit pour toi. Puis des fois, c'est l'inverse. Tu vas aller voir un médecin, il est capable de faire quelque chose pour toi, mais il ne te comprend pas. Maintenant, Jésus, le fait qu'il est pleinement Dieu, pleinement homme, peu importe ce que tu vis, dans ton humanité, il te comprend. C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin de trouver secours et grâce. Donc, Jésus comprend. C'est pour ça que c'est important que tu comprennes son humanité. Tu as besoin de comprendre que Jésus te comprend. Mais ce n'est pas tout. Quelqu'un qui nous comprend, ça ne change pas nos vies. Mais quand tu comprends la divinité de Jésus, tu réalises que non seulement Jésus te comprend, mais Jésus est capable de faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Noël nous enseigne que notre Sauveur nous comprend. Il est plein de compassion, plein de grâce. Mais en même temps, il est tout-puissant, il peut tout, il est le Dieu de miracles qui peut tout changer. Quelqu'un devrait dire Alléluia. Et finalement, la cinquième grande vérité sur le petit Jésus, la Bible dit elle le coucha dans une crèche. C'est intéressant. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. Littéralement, c'est dans une mangeoire okay, où les animaux vont manger. Pourquoi L'ange va dire un petit. Si on avait continué la lecture du récit, l'ange, après ça, va aller voir les bergers et va leur dire allez, Hein? aller à Bethléem, vous allez trouver un bébé emmailloté mailloté dans une crèche. À Bethléem, des bébés à mailloté, ce soir-là, il devait en avoir une coupe. Deux, trois, quatre, cinq. Il y avait plusieurs bébés à mailloté, ce n'est pas, pas un signe. Mais un bébé en dans une mangeoire d'animaux, il y en avait juste un. Et tu vois, le soin de Dieu, elle le met là. Et Dieu, dans sa providence, dirige pourquoi? Pour, pour s'assurer que les bergers et ceux qui vont suivre, Puisse adorer le vrai Messie, puisse adorer le vrai Jésus, puisse réaliser que ce bébé emmailloté et dans une mangeoire est le Fils de Dieu. Et Dieu fait chair. Il est le Sauveur, il est le Seigneur, il est l'Alpha, l'Oméga, il est le Messie premier, il est le roi ultime, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Et le fait qu'il est dans une crèche, ça devient un signe. Exemple, quand mon épouse a couché de, 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 de ma fille, il euh, y, bon, y a eu des petites complications. Et lorsque les infirmières ont pris le bébé, j'ai vu trois infirmières qui sont parties en courant avec ma fille. Moi, je les ai suivies. Pourquoi? Parce que j'avais lu des histoires où il y avait des bébés échangés. Moi, je disais, hey, moi, je veux le bon bébé. Je veux ramener le bon bébé à la maison. Je veux ramener ma fille. Et je les ai suivies. Puis là, on m'a dit, monsieur, vous n'avez pas le droit d'être là. Je te garantis j'ai le droit d'être là, dans toute mon autorité paternelle. Puis là, j'ai vu, puis là, finalement, ils ont dégagé ses voies respiratoires, puis ça a duré quelques secondes, puis tout était correct. Mais l'idée, je voulais m'assurer d'avoir le bon bébé. Maintenant, ce qu'on voit ici, c'est que la parole de Dieu souligne le fait que Jésus est le Messie. C'est le bon. On se dit souvent Qu'est-ce que tu arrêtes d'attendre le Messie Il y a des gens qui m'écoutent. Tu es toujours en train d'attendre quelque chose. T'attends quelque chose dans ta vie, t'attends le grand war, t'attends le déclic. Arrête d'attendre, le messie est venu, suis-le. J'ai lu euh, un reportage, j'en fait un compte rendu des forces spéciales ou des, des forces spéciales qui étaient euh, spécialisées dans la libération d'otages. Puis le, le, un des soldats disait la chose la plus difficile quand tu libères des otages, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas nécessairement d'entrer puis de dépouiller l'ennemi. Évidemment, c'est un grand défi je je le minimise pas. Mais n'est pas ça, le, ça, c'est la première partie du boulot. Le vrai défi, ou du moins un des défis, c'est quand tu es rendu, c'est de convaincre les otages de te suivre. Parce qu'il y a des gens qui sont quelquefois dans des cachots, qui sont dans des grottes, dans des sous-sols, dans des cavernes depuis des, des mois et des mois, des fois des années. Et lorsque tu arrives, tu t'es rendu jusqu'à eux. C'est une chose. Mais ces gens-là sont tellement dans les ténèbres, sont tellement aveuglés, sont tellement ignorants de ce qui se passe, sont tellement limités qu'il faut les convaincre de les suivre. Parce que les forces spéciales peuvent se rendre jusqu'à toi, mais si tu ne les suis pas, tu restes un esclave. Jésus s'est rendu jusqu'à toi, mais si tu ne le suis pas, tu demeures un esclave. Et c'est pourquoi la mangeoire est un signe pour te convaincre qu'il est digne d'être suivi. Donc, à toi qui m'écoutes, Noël, ce n'est pas juste Jésus qui est venu dans le monde. C'est Jésus, Dieu, pêcheur, qui est venu dans le monde, mais qui est venu afin que tu le suives, pour te libérer, pour te délivrer, pour t'amener dans la lumière, pour te sauver, pour te restaurer, pour te guérir, pour se servir de toi. Ne fais pas ce qu'on a fait au premier Noël, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Puis on parle d'hôtellerie, puis en fait le mot c'est plus une place, c'est peut-être une chambre d'amis, c'est peut-être une place. Donc c'est pas nécessairement un hôtel, mais ce qu'on sait c'est qu'il n'y avait pas de place. Ne sois pas cette personne qui n'a pas de place dans sa vie pour Jésus. Vous savez, je connais des chrétiens qui se disent, je connais des gens qui se disent chrétiens, quand on les regarde, il n'y a pas de place pour Jésus dans leur vie. Donc peu importe l'étiquette que tu te mets. Quand on regarde à l'époque, il y a 2000 ans, pas de place pour Jésus à l'hôtellerie. Dans notre monde aujourd'hui, dans nos parlements, il n'y a pas de place pour Jésus. Dans nos écoles, il n'y a plus de place pour Jésus. Dans nos centres commerciaux, il n'y a plus de place pour Jésus. Dans le défilé du Père Noël, il n'y a plus de place pour Jésus. Il y a des places pour toutes sortes d'aberrations, mais pas pour Jésus. Il n'y a pas. À l'épicerie, il n'y a plus de place pour Jésus. On ne te dit plus Joyeux Noël, Joyeux Fête. Netflix, hein, il y en a des films de Noël, des films de Noël, des films de Noël, des films de Noël. Hein? la jeune carriériste de New York ou de Chicago qui retourne dans son village natal pour acheter une pâtisserie et finalement tombe en amour avec le, le, celui qui est le, le ranch le ranch du village pour défendre le village contre une, Tu connais l'histoire, là? Il y, a, il, y a comme, il y a 500 films comme ça. Il n'y a pas de place pour Jésus. Maintenant, en ce jour de Noël 2022, fais de la place à Jésus. Parce que ce Jésus-là, il est Dieu, il est sauveur, il est seigneur. Il t'a massé, qu'il est venu, il a revêtu ton humanité pour venir, non seulement t'inspirer, mais te sauver, te délivrer. Donc, la grâce que je te souhaite, le plus grand des cadeaux que je te souhaite, c'est de recevoir Jésus, de faire de la place à Jésus. Et à toi qui as déjà Jésus dans ta vie, je prie que dans les prochains mois, que tu puisses faire plus de place à Jésus, que nous puissions faire plus de place à Jésus. Joyeux Noël. J'espère que tu as apprécié ta matinée de Noël. Euh, avant de conclure l'année 2022 ensemble, j'aimerais t'encourager à télécharger notre plan de lecture de la Bible que nous débuterons dès le 1er janvier via l'application YouVersion. Avoir un plan de lecture biblique est toujours une belle façon de commencer l'année du bon pied et de te joindre à l'Église pour approfondir ta connaissance de ce Dieu vivant. Pour les détails de téléchargement, je t'invite à consulter notre lettre de nouvelles ou encore notre page Facebook. Tous les détails s'y retrouvent. Pour dimanche, le 1er janvier, euh, prenez note que notre site de Laval accueillera euh, notre site de Saint-Eustache et n'aura qu'une seule réunion à 11h30. Pour Terrebonne, la réunion demeure à 10h30 et notre horaire habituel reprendra le 8 janvier et ce sur tous nos sites. En terminant, au nom de toute l'équipe, je veux vraiment vous souhaiter à nouveau un joyeux Noël et un bon temps des fêtes.